Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Les corps des deux fillettes disparues en Belgique ont été retrouvés près d'une voie ferrée. Les premiers constats indiquent qu'elles auraient été assassinées peu de temps après l'enlèvement. Un suspect est toujours détenu. Lendemain de fête en France, après la qualification en quart de finale, les joueurs se détendent, certains ont rencontré leur famille. Raymond Domenech parle du plus beau moment de sa carrière et 10 000 personnes ont fêté la victoire sur les Champs-Élysées en espérant revivre les beaux jours de 98. Nous irons aussi au Brésil où la presse rêve d'une revanche samedi prochain. Les soldes d'été ont démarré doucement dans 70 départements, beaucoup de monde, mais pas de raz-de-marée dans les magasins. Les rabais vont durer 4 à 6 semaines. Les préfectures débordées par l'affluence des familles sans papiers ayant des enfants scolarisés. À deux jours de la fin du sursis, beaucoup espèrent être régularisés. Nicolas Sarkozy a décidé de nommer un médiateur. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a lancé son offensive dans la bande de Gaza pour tenter de récupérer le soldat enlevé dimanche. Cette intervention a fait passer au second plan la reconnaissance implicite de l'État hébreu par le Hamas. Enfin, l'histoire en marche dans le monde arabe. Après Bahreïn, Oman et le Qatar, les femmes participent à leurs premières élections générales au Koweït comme électrices et comme candidates. Alors que la France savoure l'euphorie de la Coupe du Monde, nous allons donc d'abord en Belgique pour commencer ce journal. Il restait un mince espoir, il s'est évanoui. À quelques heures d'intervalle, les autorités ont retrouvé les corps sans vie des deux fillettes disparues depuis deux semaines et demie, des corps cachés près d'une voie ferrée dans un quartier populaire de Liège. Yann Fronti, Emmanuel Morel. Les deux corps ont été retrouvés à quelques mètres l'un de l'autre. Ils reposaient au bord de cette voie ferrée, enfouis dans un collecteur d'eau usée. L'endroit, très difficile d'accès, a dû être dégagé à l'aide d'engins lourds. Après plus de deux semaines de fouilles et de recherches ininterrompues, tous les espoirs se sont effondrés ce matin. Malheureusement, ces espoirs sont aujourd'hui ruinés par la découverte des enfants décédés, dois-je dire assassinés. Il est clair que la recherche du ou des auteurs est devenue la priorité. Les corps de Nathalie et de Stacy ont été découverts à 200 mètres à peine du lieu d'où elles ont disparu. C'était le 10 juin dernier, dans ce café au cœur d'un quartier en fête. Selon les premières constatations, elles n'ont pas été séquestrées. Les deux fillettes auraient été assassinées le soir de leur disparition. Ont-elles subi des violences sexuelles? Une autopsie est en cours, les résultats devraient être publiés demain. L'enquête, elle continue. Abdellah Ait Oud reste le principal suspect. Déjà condamné pour viol sur mineur, il a été arrêté et incarcéré. Il nie toute implication. Abdellah, est-ce que vous êtes innocent? Oui. Beaucoup de questions subsistent. Pourquoi a-t-il disparu le soir du drame alors qu'il était présent sur les lieux? Pourquoi s'est-il alors rasé la tête? Ces réponses n'ont pas convaincu la justice. Les enquêteurs, eux, sont à la recherche d'indices, d'éventuelles traces ADN sur les deux corps retrouvés aujourd'hui. En direct de Liège, on retrouve Zindine Boudaoud. Bonsoir Zindine, on imagine la consternation, d'autant que le traumatisme de l'affaire du trou n'est pas si loin. Oui David, la Belgique tout entière est bouleversée sous le choc. Des programmes de télévision ont même été interrompus, laissant la place à des éditions spéciales. Les Liégeois sont particulièrement touchés, bouleversés par l'assassinat des deux fillettes. Il faut dire que le pays tout entier est rattrapé par un cauchemar vieux de 11 ans. En juin 1995, ici même à Liège, deux fillettes, Julie et Mélissa, avaient été enlevées, violées par Marc Dutroux qui les a laissées mourir de faim. 11 ans plus tard, l'enlèvement et l'assassinat de Nathalie et Stacy replongent la Belgique dans l'horreur. Les deux affaires sont évidemment distinctes. Pour autant, la police et la justice ont déjà pris les devants. Cet après-midi, au cours d'une conférence de presse, le procureur général a répété et répété que tous les moyens avaient été mobilisés pour retrouver vivantes les deux fillettes. L'institution, les institutions, j'allais dire, ont été ébranlées dans leur fondement par les défaillances révélées par l'affaire Dutroux. Cet après-midi, le Premier ministre a fait part dans un message de son sentiment de chagrin, d'aversion, mais aussi d'impuissance. Merci Zindine. On en vient maintenant à la Coupe du Monde et à ce lendemain de victoire. Pour la France, c'est un frisson qui a parcouru le pays. Hier, sur place en Allemagne, l'équipe s'est donné un peu de bon temps. Envoyé spéciaux, Manuel Tissier, Vincent Bouffartigue. Moins de 24 heures après la liesse, l'Espagne est déjà un souvenir. Les Bleus ont rechaussé les crampons ce soir. Et comme Raymond Domenech, ils n'ont pas savouré longtemps la victoire. Deux minutes, parce qu'après j'avais en tête Brésil. Ça m'est venu immédiatement.
La petite musique du Brésil fait basculer l'aventure dans une autre dimension. En famille aujourd'hui, les joueurs et leurs épouses étaient d'humeur badine. Mais pour la tranquillité, il faudra repasser. Aujourd'hui, le château était gentiment assiégé par des supporters chahuteurs et confiants. C'était le match qu'il fallait pour les libérer. Le match déclic. Je pense que là, les Vieira, Thuram, ça va continuer. Je pense qu'ils vont monter en puissance au niveau physique et ça va aller les Bleus. Quoi qu'il arrive samedi en quart de finale, l'équipe de France a déjà rempli son contrat. À Herzen, Paris ou Hanovre, sa cote d'amour est remontée en flèche. Domenech se fixe désormais une mission de service public. Les Français attendent vraiment quelque chose de cette équipe. Ils sont pleins d'espoir et ils ont envie aussi d'exprimer une joie, de sortir d'une espèce de morosité qui a envahi tout le monde. Donc le football permet ça. C'est un peu aussi notre fonction. Le premier col espagnol franchi avec brio, les tricolores s'attaquent samedi à l'Everest brésilien. Et l'ascension ne leur fait même pas peur. On va y revenir dans un instant, mais d'abord pour le plaisir, on revient sur cette victoire 3-1. Hier, ceux que la presse allemande avait surnommés les papis ont donc dominé la jeune garde espagnole. Et au-delà du jeu, c'est aussi l'état d'esprit de cette équipe qui a séduit Christophe Duchiron. Lui qui en a déjà beaucoup entendu, là il n'en croyait pas ses oreilles. Déjà ce bruit venu d'Espagne, où des Ibériques malveillants voulaient l'envoyer au plus vite à la maison de retraite, au terminus des footballeurs. Et puis surtout venu des tribunes, ces sifflets espagnols pendant la Marseillaise. Un peu plus tard, au motif que siffler n'est pas joué, ces Zizou en personne qui leur couperait le sifflet. Avec l'énergie et l'ambition de leur belle jeunesse, les Espagnols vont ouvrir le score à la demi-heure de jeu. Parce que Lilian Thuram un instant marche à côté de ses chaussures et accessoirement sur la cheville d'un Espagnol. Pénalty accordé par l'arbitre et transformé par David Villa. L'Espagne mène 1-0, le début du fol espoir ibérique et en même temps le commencement de la fin. Il nous avait semblé lors du premier tour que les Français souvent avaient égaré leur football. Mais hier soir, ils avaient retrouvé leurs esprits et une harmonie presque parfaite entre générations. Juste avant la mi-temps, avec ses jambes de 23 ans, Ribéry égalise comme un seul homme et continue sa course comme un sprinter. Il faudra les copains sur le bord de la touche pour l'arrêter. Avec la patience de l'artisan, la maîtrise de ses nerfs et une belle intelligence de jeu, l'équipe de France va prendre l'avantage à moins de 10 minutes de la fin. Coup franc de Zidane, coup de tête de Vieira, détourné par un Espagnol au fond de ses filets. Alors une montagne blanche se forme, composée de jeunes et de moins jeunes, de débutants et de centenaires en sélection. C'est la pyramide des âges. On pourrait disserter sans fin sur le sexe des anges et l'âge des joueurs, surtout quand Zizou, 34 ans, termine le match en beauté. J'aurais mon mot à dire, moi aussi, sur les personnes qui ont parlé sur nous. Mais là, je me concentre sur ma compétition. Et puis voilà, on a avec Willy et puis tous les autres, on a envie vraiment de continuer dans cette compétition. Donc on va bien se reposer, on va bien préparer ce match, qui ne sera pas facile, mais on a quelque chose à faire. Ces derniers temps sur le terrain, les Blancs avaient perdu le goût du rire. Mais la victoire contre l'Espagne a changé tout ça. Et on lisait hier soir sur les visages, comme un bonheur d'enfant. Et si l'équipe a retrouvé son jeu, eh bien la France a retrouvé ses héros. Des cours d'immeubles aux écrans géants installés dans les stades. Voyons comment ce match a été vécu. Images rassemblées et commentées par Christelle Bertrand. Assis devant la télé, des milliers de spectateurs ont transformé le stade Charletti en salon à ciel ouvert. Mais dès l'annonce du pénalty, on se lève comme si ça pouvait aider le gardien français. 1-0 pour l'Espagne, la faute à un seul homme. Merci l'arbitre encore une fois, merci, merci. Au même moment à Toulouse, Français et Espagnols partagent un repas convivial quand soudain l'ambiance devient musicale et taquine. À l'égalisation française, c'est le délire à Charletti. Plus mesurée mais tout aussi intense, la joie des Limougeaux résonne dans tout le centre-ville. La France remet ça comme en 98, donc c'est cool. Oh, tout à fait, oui, tout à fait, oui. Ouais. La Paella, seul terrain d'entente dans ce restaurant parisien. Les Espagnols répondent en français, qui prennent le dessus après le coup de patte de Vieira. On a pris
pris un ascendant psychologique important. L'hystérie collective tricolore s'est entendue jusqu'à Berlin. Les supporters français, maquillés pour mieux se reconnaître, se sont donné rendez-vous au centre-ville. Ils partagent une émotion commune, loin de chez eux. À 1500 km de là, à Nantes, la foule est moins nombreuse, mais les supporters sont tout aussi serrés et angoissés. C'est stressant. C'est même stressant quand on joue pas. Ah oui, hein. On se prend au jeu. Hein. Alors, il ne reste plus que la prière aux Espagnols. Mais Zidane exauce plutôt les vues des Français. Le dernier but déchaîne les passions. Et partout, la joie à la fin du match marque le début d'une liesse populaire inédite pour une simple qualification en quart de finale. On a du mal à imaginer ce qui pourrait se passer si la France bat le Brésil. En direct de Hartzen en Allemagne, on retrouve Manuel Tissier. Bonsoir Manuel. Est-ce qu'il y a aussi un petit goût de revanche quand même pour cette équipe qui a été très critiquée? En tout cas, Raymond Domenech, que nous avons vu aujourd'hui en conférence de presse, avait une revanche modeste. Il n'a pas rajouté sur le thème du « je vous l'avais bien dit », mais c'est vrai que les joueurs, d'abord comblés par la victoire, sont aussi ravis de faire taire les critiques par cette très belle victoire. C'est le cas notamment de Patrick Vieira, magnifique hier et nouveau buteur, déjà deux fois buteur dans cette Coupe du Monde, mais surtout de Zinedine Zidane. Zidane, interrogé hier par Luis Fernandez chez nos confrères d'RMC Info, eh bien disait à son ancien coach de Cannes qu'il était blessé, très touché par les critiques qui avaient été émises sur ses performances, mais aussi par l'évocation de son âge, de ses 34 ans. Et Zidane a prouvé hier, comme Thuram, comme Barthez, qu'il pouvait encore devenir champion du monde une seconde fois. Et on a vu hier qu'il y avait de la joie dans cette équipe, alors qu'on insistait surtout sur les tensions avant. On a parlé ici même de tensions, voire de morosité chez les Bleus, mais tout cela a été un petit peu balayé par les images hier de joie, notamment de ce Franck Ribéry courant sur ses camarades. C'est vrai que les joueurs n'avaient pour l'instant montré aucun signe extérieur de bonheur. C'est le cas aujourd'hui et la victoire d'hier devrait effacer bien des tensions et bien des frustrations. Donc les sourires seront peut-être au rendez-vous avec la victoire. Merci Manuel. L'espace d'une soirée, en tout cas la France a retrouvé le souvenir de 1998. D'ailleurs, il y avait 10 000 personnes déjà sur les Champs-Élysées hier soir à Paris. Et ce matin, le match était sur toutes les lèvres. Arnaud Boutet, Lionel Langlade avec Samassoula. Au coup de sifflet final, ils ont envahi les lieux et imposé leur nouveau refrain. Qui ne saute pas n'est pas français. Dans ce patriotisme joyeux, certains veulent tourner une page. C'est fou, la France revit. C'est la France, vive la France, elle est éternelle. Il est là, c'est lui le patron. C'est lui le futur président de la République. C'est notre père. Sur les Champs-Élysées, la France qui gagne a retrouvé son maître de 1998. 10 000 supporters dansent ensemble. Le bonheur, même à l'Elysée, il flotte un air de fête. Des chauffeurs aux ministres, tous revivent l'exploit sportif. Et Dominique de Villepin fixe le nouveau cap. Il faut aller plus loin. Que du bonheur, que du bonheur. Et quel est votre pronostic pour samedi prochain? Le meilleur. Magnifique. C'est la fierté française. Le gouvernement laisse entendre que le chômage va baisser. Et Michel Alliot-Marie ne cache ni son enthousiasme, ni sa nouvelle référence. Dans un certain nombre de cas, c'est la même volonté d'agir et de réussir qui peut permettre d'avancer. Mais je crois finalement que l'équipe de France, elle ressemble à la France. Et la gauche applaudit, elle aussi. L'équipe française avait l'expérience et en même temps la niaque. La niaque pour gagner, la niaque pour l'emporter, la niaque pour marquer des buts. Sur le parvis de la défense, les employés constatent les premiers changements. Ce matin dans le métro, je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui étais content, mais je trouvais que les gens étaient plus souriants. L'équipe de France n'est pas à vendre, mais sa valeur ne cesse de grimper. Petite parole d'expert. L'équipe de France était une valeur cotée en bourse. Est-ce que vous pensez que ça serait intéressant? Il a fallu acheter un peu plus tôt, maintenant c'est trop tard. Hein. La victoire peut-elle relancer l'économie? Pourquoi pas? Je pense que le match contre l'Espagne, au même titre qu'une rencontre contre le Brésil, peut lancer le moral des ménages et relancer l'économie, c'est sûr. Donc si on va au bout, vous pensez que ça y est, c'est la fin des problèmes? Absolument pas, non. Absolument pas. Mais disons que ça peut en cacher un certain nombre. Contre la grisaille et le pessimisme, la France trouve l'éclaircie. Quelques couleurs avant la prochaine étape, c'est déjà ça de gagner.
L'Espagne était favorite, la France a brisé son rêve. Tout à l'heure, les joueurs sont rentrés à la maison avec un tout petit accueil à l'aéroport. Une cinquantaine de supporters seulement avaient fait le déplacement. L'équipe ne s'est pas attardée. Ce matin, la presse invoque la fatalité et rend hommage à Zidane. Sur place à Madrid, Christian Autin, Thierry Breton. Fracassé, déçu, le rêve devenu cauchemar. Ce matin, la presse madrilène déchante. L'Espagne s'est réveillée avec la gueule de bois. L'ampleur de la défaite a mis KO les supporters de l'équipe en rouge. C'est une déception par rapport aux illusions qu'on avait sur le mondial. Il faut tirer notre chapeau aux Français. Pourtant, tout avait bien commencé, place Colonne, dans une ambiance survoltée. Avec le premier but, les 20 000 supporters se déchaînent. L'Espagne se voit déjà en quart de finale. Malgré l'égalisation de la France, on veut encore y croire à la mi-temps. On va gagner, c'est sûr. Après des occasions manquées, l'Espagne voit ses illusions s'envoler. Et c'est Zinedine Zidane qui porte l'estocade finale, sous les yeux du prince Felipe. Zidane, que la presse espagnole voulait envoyer à la retraite dès hier soir. Aujourd'hui, les commentateurs sportifs se défendent d'avoir voulu blesser la star du football. Nous, les journalistes, nous avons énormément de respect pour ce que Zidane a fait en Espagne et ce qu'il a apporté au football. Moi, j'ai la conviction que Zidane peut encore faire de grands matchs, comme il l'a démontré hier contre l'Espagne. Seule consolation pour les Espagnols, ils pourront voir jouer l'ancienne star du Real Madrid, Zinedine Zidane, samedi soir face au Brésil. Oui, une affiche magnifique, c'est devenu un classique de la Coupe du Monde avec, pour les Brésiliens, un petit goût de revanche après la finale perdue de 1998. Aaron Tanzit, Abdelzouyesh. Quelques jongles, histoire de faire travailler les jambes, quand la tête est ailleurs. Cet après-midi, sur leur terrain d'entraînement en Allemagne, les Brésiliens pensaient déjà au match de samedi face à la France. Je souhaite de mon cœur qu'on verra un grand, grand match et qu'il gagne le meilleur. J'espère que ce sera le Brésil. Zidane, mais c'est un ami, comme pour les autres Brésiliens qui jouent à Madrid d'ailleurs. Moi, je suis fier d'avoir joué à ses côtés. C'est un grand joueur, quelqu'un de bien. J'espère qu'il va terminer brillamment sa carrière sans nous marquer un but. Mais je souhaite bonne chance à Zidane. Des artistes du ballon rond qui jusqu'ici ont assuré le minimum syndical. 4 matchs, 4 victoires, le dernier face au Ghana, sans jamais vraiment briller. Des champions du monde qui ont toutefois retrouvé Ronaldo dans son meilleur rôle, celui de buteur. 3 buts en 4 matchs et le voilà seul meilleur finisseur de l'histoire de la Coupe du Monde. Oubliez les kilos en trop, le Brésilien tient sa revanche. Dans ma vie, le mot le plus important, c'est patience. Dans les moments difficiles comme dans mes bonnes périodes, j'ai toujours été patient. Le Brésil et Ronaldo qui ont encore la France au travers de la gorge. 98 bien sûr, les 2 buts de Zidane et la Coupe du Monde qui va avec. Ce soir de juillet, il n'y avait pas beaucoup de samba dans le cœur des Brésiliens. Tout comme en 1986 dans les tribunes de Guadalajara au Mexique, au bout d'une terrible séance de pénalty. Fernandez offre une demi-finale à la bande à Platini. Magnifique image, Platini qui remercie Fernandez. Il y a un côté dramatique pour nous, de France. Moi, ma première Coupe du Monde, c'était exactement 86. Et je me souviens, ces matchs-là, c'était terrible pour nous. Des Brésiliens revanchards qui savent que pour accrocher une 6e étoile à leur maillot, un 6e titre mondial, il leur faudra battre samedi la bande à Zidane. Le reste de l'actualité avec d'abord les intempéries. Sachez qu'une alerte aux orages de niveau 3 sur une échelle de 4 a été lancée par Météo France dans 5 départements de la région Rhône-Alpes et sur la Haute-Loire. Attention donc si vous habitez la région, car le vent, la pluie et la grêle peuvent être violents ce soir et cette nuit. Hier, des grêlons de la taille de balles de tennis parfois ont causé de nombreux dégâts, comme ici à une 60aine de kilomètres de Lyon. L'alerte en tout cas est en vigueur jusqu'au milieu de la nuit. Le démarrage des soldes d'été, c'est parti pour 4 à 6 semaines de bonnes affaires dans 70 départements. Mais cette journée a confirmé que ces périodes de rabais ne font plus autant recette. Christelle Marty, Nathalie Gallet. 8h ce matin, c'est la ruée des accros aux bonnes affaires. Il y en aura pour tout le monde, doucement. J'ai acheté des petites chaussures à porter très sympas avec des petits talons. Là, j'ai pris quelques jeans.
C'est pour vous tout ça? Oui. Il y a combien Je sais pas, j'ai pas encore compté. Des soldes d'été qui démarrent fort sur les prix cette année, jusqu'à 70% de ristourne dès le premier jour. Ça vaut vraiment le coup, il y a des grosses réductions dès le début. Je préfère faire les soldes parce qu'on y gagne, quoi. 50% c'est tout. Il n'y a que le 50% qui motive. Alors, ça nous fait 159 s'il vous plaît. 159 €, c'est un peu plus que ce que dépense chaque ménage français. En moyenne, comptez 105 € par foyer pendant les soldes, même si certaines dépassent largement ce budget. J'ai un budget de 300 €, donc on verra. 300 €, oui. Pour la journée? Non, pour les soldes en général, mais je pense que ça va partir aujourd'hui. 500 €, 700 €. Donc... Pour l'ensemble des soldes? Oui, pour l'ensemble, et après on verra par la suite. Côté commerçant, on espère rattraper les mauvaises ventes de ces derniers mois et faire du chiffre. Ces soldes d'été vont nous permettre de réaliser près de 12 à 13% du chiffre d'affaires de l'année. On attend, comme d'habitude, beaucoup de monde. Ça a été quand même assez dur et par rapport au temps. Par rapport au temps. Donc, mais sinon, bah, on espère, comme tout le monde, que le premier jour de solde, ça va être efficace pour nous. Bilan de cette première journée, un démarrage en douceur, mais il reste entre 4 et 6 semaines pour se rattraper. Économie en bref toujours, le coprésident de ADS, Noël Forgeard, dont le groupe traverse une crise industrielle sans précédent, était entendu aujourd'hui par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il a exclu de démissionner selon les députés présents. Noël Forgeard est mis en cause pour avoir vendu un gros paquet d'actions avant l'annonce des difficultés de l'A380 qui ont fait plonger le titre. Il a répété qu'il n'était pas au courant à cette période-là. Rappelons qu'une enquête de l'autorité des marchés financiers est en cours. En bref, encore des remous à Paris Match. Pour la première fois de son histoire, la rédaction de l'hebdomadaire a voté pour une journée de grève afin de protester contre l'éviction du directeur de la rédaction Alain Genestard pour des raisons politiques. Fin de citation. La ruée dans les préfectures des familles sans papiers ayant des enfants scolarisés. On a déjà évoqué ce dossier ici même. Le sursis accordé à ces familles par le ministère de l'Intérieur s'achève dans 2 jours. Nicolas Sarkozy a indiqué qu'il y aurait des régularisations, mais seulement au cas par cas, d'où cette affluence depuis hier matin. Aurélia Guillemin, Hervé Pozzo. Ils sont passés derrière ces barrières depuis des heures, quand le centre de réception des étrangers ouvre ses portes. Des centaines de sans-papiers arrivaient parfois en pleine nuit pour être les premiers à demander leur régularisation. Que Sarkozy a fait sortir une nouvelle loi, que les enfants scolarisés, leurs parents devaient avoir les papiers. Alors c'est pourquoi je suis là depuis hier. Hier j'étais là à 9h. Aujourd'hui j'étais là à 5h35. Avec ce circulaire, c'est une nouvelle vie pour moi qui commence. La circulaire dont tous parlent date du 13 juin dernier. Elle élargit ponctuellement les conditions de régularisation aux parents d'au moins un enfant scolarisé en France. Au-delà de la durée passée sur le territoire, sont notamment prises en compte l'attitude des parents quant à l'éducation des enfants et la volonté d'intégration. Les instructions de la circulaire sont un réexamen des situations au cas par cas. Il n'y a donc pas d'objectif chiffré. Il y a un objectif de sortir de la précarité les familles qui ont des enfants scolarisés. Mais certains craignent toujours que la fin de l'année scolaire soit l'occasion d'expulsion. La mairie du 20e arrondissement de Paris a donc organisé une journée de parrainage pour soutenir 70 familles sans papier. On peut les cacher si ils sont affectés. S'il y a la police qui débarque à 3h du matin, ils ont notre numéro de téléphone, on vient et on essaye de... d'ameuter des gens. Devant les 4 centres d'accueil des étrangers, l'attente continue. Toutes les personnes qui sont ici au titre de la circulaire et qui n'ont pas de rendez-vous ne pourront pas être reçues. Pour l'heure, 500 familles ont obtenu le réexamen de leur situation. Les autres ont 2 mois pour en faire la demande. Et on apprend que c'est l'avocat Arnaud Klarsfeld qui vient d'être nommé médiateur par Nicolas Sarkozy pour harmoniser les décisions préfectorales de régularisation sur le sujet. Nicolas Sarkozy qui présentait aujourd'hui son projet de loi sur la prévention de la délinquance en Conseil des ministres. Il s'agit, vous le savez, de donner plus de pouvoir aux maires et aussi de durcir les peines et les procédures contre les mineurs délinquants. On va s'arrêter en détail sur ce dernier point. D'abord les explications sur ce projet d'Audrey Goutard. La répression est maintenant la prévention. Le projet entend s'attaquer au grand domaine de la délinquance, aux violences conjugales, aux infractions sexuelles, à la lutte contre la drogue. Il propose également un renforcement accru des pouvoirs du maire.
Les élus des villes de plus de 10 000 habitants pourront exiger la mise sous tutelle des allocations familiales lorsque les parents seront jugés défaillants. Mais l'axe central du projet est le durcissement de la lutte contre la délinquance des mineurs. Nicolas Sarkozy l'a encore souligné hier à l'Assemblée, il veut supprimer l'excuse de minorité. Un mineur récidiviste entre 16 et 18 ans, l'excuse de minorité ne doit plus lui être appliquée systématiquement. Quand on est récidiviste et qu'on ne veut pas comprendre, la société doit appliquer une sanction plus sévère. Sans le réformer en profondeur, le projet s'attaque au traitement actuel des mineurs délinquants. Il propose notamment leur placement en internat dès l'âge de 10 ans, des travaux d'intérêt général dès 13 ans, ainsi qu'une justice immédiate plus sévère avec une présentation rapide devant un magistrat et un jugement dans la foulée. Le gouvernement a pourtant dû faire machine arrière par rapport à son projet initial. Il a retiré du texte proposé par le ministère de l'Intérieur le dépistage précoce des troubles du comportement chez l'enfant. Mais la mesure n'a pas pour autant disparu. Elle sera présentée par le ministère de la Famille. Pour bien comprendre le problème posé par cette délinquance des mineurs en augmentation depuis des années, nous avons décidé de partager au quotidien la vie d'un tribunal pour enfants à Béthune. Les magistrats voient régulièrement arriver les mêmes adolescents et se sentent parfois impuissants. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Anouk Burel, Catherine Just. Quoi de rappel à la loi, il faut pour que tu comprennes. Famille. Les convocations dans le bureau du juge des enfants, il connaît. Cela fait plus de 5 ans qu'il est dans la violence, comme il dit. Il fume du cannabis, il boit et puis il casse. À 17 ans, il a été condamné pour agression sexuelle. Le tribunal l'a soumis à des obligations qu'il n'a pas suivies. C'est l'enjeu aussi. L'enjeu, c'est effectivement la prison. Ça se passe comment à la maison en ce moment? On se dispute pas, mais on parle pas. On parle pas. Pourquoi on parle pas? C'est quoi ton projet par rapport à ta santé, par rapport à ton avenir? Je suis né dans la violence. Comment? Je suis né dans la violence. T'es né dans la violence, mais c'est pas une raison pour faire pareil. Au tribunal de Béthune, ce matin-là, il y a du monde dans les couloirs, devant les bureaux des juges des enfants. Il y a aussi des habitués. Kevin, 16 ans. Il vient cette fois pour un vol de CD et de chocolat. La dernière fois, il avait vandalisé un bureau de tabac. À côté de lui, Jérôme. Il a volé une moto, il a déjà été placé 3 fois dans des centres fermés. T'as peur ou pas des sanctions? Non, pas trop. Pas trop? Non. C'est pas la première fois, donc... Par exemple, si on te disait il faut que t'ailles en prison, tu penses que ça ferait avancer les choses ou pas? Bah non, mais voilà, je ferais mon temps, puis voilà. Passer au tribunal, c'est plus un événement, c'est... Pour certains jeunes, c'est du quotidien, quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si je le savais... Quelle réponse apporter à ces jeunes récidivistes? Selon la loi, la prison doit rester le dernier recours. Retour à l'audience de Samy. Je pense qu'il faut que tu comprennes que quand il y a une décision qui est prise, elle doit s'appliquer à un moment donné. Aujourd'hui, tu vas repartir avec l'escorte, hein, on va l'appeler, et tu vas dormir en prison. Et demain, je serai mort. On pourra peut-être lui permettre de sortir, se détendre un petit peu. Hein. 15 jours de détention pour le jeune garçon. Alors, après 5 ans de mesures éducatives, échec ou pas? Ce qui l'a amené là, c'est tout un parcours personnel, effectivement, vous l'avez entendu, familial, éducatif. On pourrait se poser la question de l'échec de l'éducatif. Moi, je n'irais pas jusque dire que c'est un échec, puisque on a vu quand même un mineur qui réagissait à ce qui lui était dit. C'est la 4e fois dans l'année que le juge des enfants prend cette décision pour des mineurs. À Béthune, il y a eu 1600 affaires l'année dernière, un chiffre stable, 850 comparutions au tribunal ou devant le juge et 750 alternatives aux poursuites. Selon le procureur, on ne peut pas généraliser. Les mineurs récidivistes se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il y a des mineurs de 16 ans qui sont encore marqués par des traits infantiles, par des comportements qui ne sont pas matures, et d'autres qui ont quand même beaucoup plus proches des traits de personnalité, beaucoup plus proches de la majorité. Il ne faut pas avoir de vue trop absolue, et la frontière des 18 ans, c'est une frontière qui est parfois est fixée par le code, mais qui est parfois un peu difficile à gérer. Samy, lui, a 18 ans aujourd'hui. Il va encore être suivi à sa sortie de prison pour éviter qu'il ne récidive.
Justice en bref avec le procès de David Otia. C'est l'heure des réquisitions. L'avocat général a demandé la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. David Otia est accusé, vous le savez, de l'assassinat des 5 membres de la famille Flactif au Grand Bornand il y a 3 ans. Le verdict sera rendu vendredi. Et puis à Marrakech, on en parlait hier, le directeur de théâtre français Jacques-Henri Soumer a été blanchi de l'accusation d'incitation d'un mineur à la prostitution. Il a en revanche été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour homosexualité. Elle constitue un délit au Maroc. Jacques-Henri Soumer a indiqué qu'il souhaitait faire appel. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a lancé son offensive dans la bande de Gaza pour tenter de récupérer le soldat enlevé dimanche. Elle a bombardé des ponts, des routes et une centrale électrique pour essayer de cerner les ravisseurs. Charles Anderlin, Talal Abourani. En pleine nuit, l'aviation israélienne a bombardé le principal transformateur et la petite centrale électrique de Gaza. Résultat, 700 000 Palestiniens n'ont plus d'électricité. Ce boucher a bien un générateur, mais très peu de carburant pour le faire fonctionner. Je me dépêche de vendre la viande qu'il me reste, car mes réfrigérateurs vont s'arrêter. Après, je vais rentrer chez moi. Les hélicoptères ont également détruit 3 ponts, coupant ainsi les principaux axes de circulation entre le nord et le sud de Gaza. Les véhicules ne peuvent plus passer. Près de Rafah, l'armée israélienne continue de masser des blindés. Les chefs militaires sont persuadés que Gilad Shalit, le soldat enlevé dimanche dernier, et ses ravisseurs se trouvent toujours dans le secteur. Son père, Noam, a lancé un appel au gouvernement israélien. Nous demandons qu'il n'y ait pas d'autres victimes, des soldats et des civils innocents, des deux côtés, israéliens et palestiniens. Ehud Olmert, le Premier ministre, a rejeté une proposition du gouvernement palestinien de procéder à un échange de prisonniers. La situation se détériore d'heure en heure. Le groupe qui détient le soldat a également enlevé un jeune colon en Cisjordanie qu'il menace de tuer si Israël poursuit ses opérations. L'émancipation féminine progresse à petits pas au Proche-Orient. Après Bahreïn, Oman et le Qatar, les femmes participent à leurs premières élections générales au Koweït comme électrices et également comme candidates. Envoyés spéciaux Yasmina Farber, Philippe Jasselin. Les brumisateurs rafraîchissent l'atmosphère. 37 degrés à la nuit tombée, le débat politique peut commencer. Les premières femmes se retrouvent pour le meeting d'Aïcha Al-Rachid. La journaliste se présente à ces élections législatives, un moment d'histoire. C'est la première fois qu'une femme participe à un vote comme électrice et comme candidate. Tous les regards sont tournés vers nous. La femme koweïtienne est la clé de ces élections. Dans le public, un curieux mélange de femmes voilées et d'autres figures modernes de la société koweïtienne. Sous le chapiteau, des hommes aussi, mais instinctivement, on ne se mélange pas. N'oubliez pas tous ceux qui ont voté contre le droit de vote des femmes. C'est le message d'Aïcha Al-Rachid. N'écoutez pas les amis, les maris, les frères ou les fils. Allez à tous les meetings. Dans ce quartier très conservateur, la candidature d'Aïcha Al-Rachid ne plaît pas du tout. Une femme au pouvoir relèverait du non-sens. Adel Al-Sarraoui est un député salafiste, la tendance radicale de l'islam. Au Parlement, il s'est opposé au vote des femmes. La charia, la loi islamique est claire. La femme a le droit d'être électrice, mais la loi interdit à une femme d'être candidate. En ouvrant les portes du Parlement à des femmes, le Koweït devient la monarchie du Golfe la plus progressiste. Roulad Ashti, brillante économiste, aura milité 20 ans. On sentait qu'on n'avait aucun droit, qu'on était des numéros. Ça nous a donné de l'énergie, de la motivation. Il fallait qu'on devienne des citoyennes à part entière. Des femmes sous le charme et des hommes qui félicitent la candidate, l'image symbole d'une nouvelle société. Ironie de ce vote, les électrices sont 50 000 de plus que les électeurs. Mais les 32 candidates ont malgré tout peu de chances de l'emporter face à des hommes politiques richissimes qui achètent les voix à coups de milliers d'euros.
En France, pas de Technival sur l'aérodrome de Vannes. C'est du moins ce qu'a décidé la justice aujourd'hui. L'arrêté de réquisition du terrain n'était pas conforme selon le juge. Près de 40 000 personnes s'étaient pourtant donné rendez-vous ce week-end pour l'une des plus importantes rêves de l'année. Les pouvoirs publics vont tenter de trouver un nouveau lieu pour éviter un rassemblement sauvage car les participants semblent bien décidés à assurer son déroulement. De la danse pour terminer avec cette première à l'Opéra Garnier à Paris, La Dame aux Camélias version ballet. Le roman d'Alexandre Dumas fils a été adapté sur des musiques de Chopin. Il sera désormais joué régulièrement. Sophie Jouve, Didier Dahan. Comme au siècle dernier, à l'heure de sa gloire, en coulisses, elle se prépare, La Dame aux Camélias. Courtisane connue dans le monde entier, elle fit tourner la tête du tout Paris et battre le cœur de ses adorateurs. Quand on sait qu'elle habitait près de la Madeleine, pas loin, qu'elle passait ses soirées à l'opéra parce qu'elle adorait ça, c'est sûr que c'est là qu'il fallait donner ce ballet. Évidemment, dans ce Paris du 19e siècle, une femme de vie légère, même adulée, ne peut faire sa place dans la société bourgeoise. Pour cette histoire d'amour impossible de Marguerite Gauthier avec son bel Armand, 2h30 de ballet, 13 robes différentes, un marathon pour une étoile. Pas se douter, je crois, quand on est dans la salle, de ce qui se passe dans les coulisses. On est à 150 à l'heure et j'arrive en scène et je suis très zen et très calme, alors qu'en coulisses, je cours dans tous les sens. Décor somptueux, comme dans l'hôtel particulier de Marguerite Gauthier. Musique fiévreuse de Chopin, mort de la tuberculose, comme elle. Le chorégraphe américain John Neumayer évoque un destin qui a défié le temps. C'est une histoire à laquelle je crois complètement. Elle est malade de la tuberculose, dont on souffre moins aujourd'hui. Mais ce pourrait être du sida, quelque chose d'actuel. Avec une Aurélie Dupont et un Manuel Legris, romantique à souhait, un siècle et demi après sa mort douloureuse, La Dame aux Camélias débute à Paris, une carrière de danseuse. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, 20h55, une fiction, Je hais les parents avec Daniel Prévost. À demain.